Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière créade de l'année. Un panier où on va pouvoir, il est assez profond, on va pouvoir y mettre des chocolats, des sachets de thé, quelque chose de très joli à offrir. Donc, j'ai mis ici une fleur de dahlia. Nous l'avions faite ensemble. Récemment, c'était mon dernier tuto fleur. Donc, je vais vous le remettre en barre de cette vidéo. Et puis, j'ai juste ajouté de petites fleurs. Et ce sont ici les Oakberry Lane. À l'arrière, donc, un arrangement de feuilles. Et j'ai utilisé ici ce très beau dies qui est le Lattice Swirl Gateway, un des dies de la dernière collection. La dernière, oui, il me semble, c'était la dernière. Et donc, j'ai réalisé ceci avec du cardstock argenté, très épais, que vous pouvez trouver dans ma boutique. C'est une nouveauté aussi. Sur le côté, j'ai décoré, et cette fois, j'ai utilisé ce die-ci. Qui permet par ailleurs de réaliser de très chouettes boîtes. Vous voyez ici par exemple avec une forme sympathique. Et bon, ici ça c'est optionnel, on peut très bien laisser sans décor, mais je trouve que ça finit bien le panier. Alors à l'arrière j'ai laissé tout simple, mais regardez comme cette découpe est jolie. Donc, eh bien, si vous avez envie de réaliser ce panier avec moi, qui n'est pas si petit que ça, eh bien, on va sortir les outils et hop, 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 c'est parti! Pour réaliser ce tout mignon petit panier, je vais donc utiliser ce dies d'une des dernières collectionneurs Felt, le Lattice Swirl Gateway. Donc, très, très grand die, vraiment très beau. J'adore cette collection de dies. Et donc, nous allons prendre les deux plus grandes parties. Donc, ce die est composé de trois parties. Et je vais prendre les deux. Donc, le tour qui fait la forme et l'intérieur. Et je les mets ensemble, comme ceci. Et je pose tout simplement sur un morceau de cardstock argent. Donc c'est ce cardstock, une nouveauté aussi chez Arfelt, qui est très épais puisqu'il fait 280 grammes. Et regardez ce que ça donne, c'est juste magnifique. Donc vous posez les deux ensemble, ça part dans la machine et nous allons en faire quatre comme ceci en argenté. Je vais également en réaliser deux dans un papier cardstock rose et vous allez voir, nous les assemblerons ensuite, mais déjà c'est prêt. Ensuite, il vous faut un morceau de cardstock dans lequel nous allons faire des plis. Ce morceau, donc il vous faut une feuille 30-30 et vous allez l'ajuster à 30. Donc il faut juste enlever 5 mm, 30 donc ici sur 26,5 cm dans la largeur, et puis sur les quatre côtés. Vous allez faire un pli à 9 cm. Donc un pli de ce côté, je retourne, je fais un pli de l'autre côté. Et ensuite, je prends dans l'autre sens et je fais la même chose. 9 cm partout. Donc 9, je retourne et 9. Une fois que vous avez réalisé tous vos plis, eh bien, nous allons faire des encoches. Je vais prendre mon papier dans ce sens et je vais couper ici. Donc ici, pour rejoindre, je vais marquer mon pli. Donc, je mets mon papier ici, j'ai la longueur, le morceau le plus long. Je vais couper sur la ligne ici. Pour rejoindre l'autre ligne tout simplement, donc vous essayez de couper le plus droit possible et je rejoins mon autre ligne. Voilà, je vais avoir quelque chose d'amovible. Je fais la même chose ici, ici et ici, et nous allons attacher
notre base pour avoir le petit panier. Maintenant que tous nos morceaux sont coupés, je vais ajouter de l'adhésif. Donc j'ai pris mon adhésif qui fait un demi-inch, 1,25 cm, et je vais replier chacune des bandes, des carrés, pardon. Et je vais poser ici à la base un morceau d'adhésif. Alors cet adhésif est vraiment très fort, donc ça va bien bien coller, pas de risque que ça se décolle. Et donc je vais mettre un morceau d'adhésif ici, juste à la base. Je n'ai pas besoin d'en mettre sur tout le cardstock parce que nous allons couper. Donc ensuite je fais ici, je ramène vers moi sur l'intérieur, hop, et il y en aura un dernier ici, je le terminerai après. Vous marquez bien votre adhésif, et puis ici vous allez reprendre les ciseaux et vous enlever toute la partie de cardstock, nous n'en avons pas besoin, juste à ras de l'adhésif. Comme ceci, et nous allons le faire sur les quatre côtés, et ensuite nous allons pouvoir attacher notre boîte. Donc mon adhésif, j'ai oublié de le dire, mais là mon morceau est sur les 30 et mon adhésif ici. Ensuite je ramène ma boîte comme ceci, je vais coller, donc j'enlève ma pellicule bien sûr, et je vais coller la languette sur l'intérieur. Et donc là, vous prenez bien votre temps parce que l'adhésif est très fort. Voilà, que ce soit un joli coin ici. Et on va faire la même chose donc sur les autres côtés. Donc hop, on se place bien. Quand c'est bon, on peut appuyer. Et nous allons former notre base comme ceci. Je vais faire la même chose ici. Maintenant nous allons d'abord recouvrir. Donc alors là, pour recouvrir, vous pouvez choisir le papier que vous souhaitez. On peut regarder aussi dans nos chutes pour recouvrir. Donc j'ai choisi mes chutes de papier Stamperia Wedding, mais peu importe en fait. J'ai choisi des couleurs grises et blanche, mais vous pouvez mettre une autre couleur, ça dépend de l'effet que vous allez vouloir avoir pour le résultat final. Donc je vais avoir besoin de deux morceaux de 9 sur 15 cm et puis de deux plus petits morceaux qui font 9 sur 8,5. Et je vais d'abord coller les plus grandes parties. Donc là, je vais faire à la colle et ça va dépasser. Ça va dépasser de chaque côté d'environ 1,5 cm. Donc je vais d'abord coller ici sur toute la surface. Et puis je vais attacher mon morceau sur les côtés ensuite. Voilà. Donc on se pose bien en laissant bien dépasser de chaque côté. Un petit peu plus par ici. Voilà. Je retourne et je marque mon papier sur l'intérieur. Et puis, une fois que cette partie est collée, eh bien, avec mon outil, vous voyez, j'ai mon papier ici qui dépasse. Je vais venir marquer sur le côté en appuyant sur l'intérieur. Je vais remonter la bandelette, et une fois que c'est remonté, il me reste à poser de la colle pour venir l'attacher sur l'autre côté. Voilà, hop, je pose et je marque ici sur l'intérieur. Voilà ce que j'ai. Je fais la même chose ici et je colle de la même manière mon autre morceau. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste à venir coller. Donc je vérifie bien que je suis dans le même sens du motif.
mets deux autres morceaux sur les côtés. Et en faisant comme ça, vous voyez sur les arêtes, je ne vois pas de blanc. Donc, je finis de coller mes deux morceaux. Et puis, nous allons nous occuper d'assembler les découpes que nous avons réalisées. Et vous allez voir, ça va être très simple. Sur le bas du panier, on peut aussi recouvrir. Alors, normalement, vous avez 12 sur 8,5. Alors, j'ai bien 8,5. J'ai 12 aussi. Mais vérifiez toujours avec la règle avant de couper, parce que parfois, on peut avoir 1 ou 2 mm en moins. Donc, je coupe mon morceau et je l'ajoute sur le fond. Après, sur l'intérieur, eh bien, on peut reprendre les mêmes dimensions et venir recouvrir l'intérieur. Mais là, ça n'est pas... C'est optionnel puisque là c'est blanc. Si on met un joli papier de soie, ce sera très bien. Et pour les découpes, donc je vais prendre déjà une découpe argent et une découpe rose. Et je vais venir mettre de la colle à l'arrière. Donc avec cette colle, vous avez le petit type métal qui permet d'en mettre partout, mais avec un fin débit, et c'est super. Et une fois que vous avez ajouté la colle, et eh bien vous allez venir coller votre découpe grise sur la découpe rose, mais attention, comme ceci, regardez, vous voyez, j'ai décalé un petit peu de 1 mm, et donc je vois le rose et le gris, ça fait un très très joli effet. Donc vous collez comme ceci, on va avoir les deux couleurs. Ensuite vous retournez une autre découpe grise, et là par contre je vois du blanc derrière le rose qui correspond donc à l'arrière de la découpe grise. Là par contre je vais venir la coller exactement au même endroit où l'on voit le blanc apparaître, et donc je vais avoir quelque chose de très joli avec le rose qui apparaît. Une fois que vous avez collé vos trois pièces, eh bien, vous venez les ajouter ici sur le côté le plus grand de votre boîte. Et nous allons donc avoir ceci. Très très sympa. Vous voyez, alors, je vous laisse coller. Je le fais moi aussi. Et nous allons faire ça des deux côtés, bien sûr. Voici une fois collé ce que ça donne. J'ai recouvert l'intérieur aussi par souci du détail. Et sur l'intérieur de la hanse, nous avons aussi le joli argenté. Regardez ce que ça fait en décalant deux couleurs. C'est très très joli. Donc la base est cette fois terminée. Je vais décorer les deux côtés. Alors là, c'est complètement optionnel, mais ça va être encore mieux. Et je vais utiliser pour cela ce dice-ci, le Treasured Heart Gift Box. Il comprend 9 dice que vous voyez apparaître ici, mais je ne vais utiliser que ces deux pièces-ci. Et par ailleurs, avec ce dice, on peut faire de très très jolies boîtes. Regardez, très très sympa. Et évidemment, ça s'ouvre, hein. J'aime beaucoup aussi ce dice. Ça fait des très très belles boîtes. Donc, je vais assembler ces deux pièces-ci sur un cardstock argenté et vous allez obtenir ceci, cette découpe-ci. J'en fais deux. Ensuite, il vous faut un papier décoré. Alors, je l'ai pris rose pour que ça ressorte sur le gris. Deux morceaux de 6 sur 6. Et pour finir, toujours dans le cardstock argenté, deux carrés de 7 sur 7 et vous allez les assembler, les coller comme suit. Donc ici et ici, la découpe dessus. Une fois ceci collé, eh bien, vous pouvez ajouter sur le côté de votre boîte et faire la même chose aussi de l'autre côté. Ça finit vraiment joliment les côtés. Je colle tout ça et puis cette boîte, nous allons ici la fermer par le haut, bien sûr. Et pour cela, j'ai préparé un ruban, mon ruban satin double face. Il est aussi joli d'un côté que de l'autre et il va nous servir pour la fermeture de ce panier. Maintenant que tout est collé sur le tour de mon carré
argentée, je vais venir ajouter une bande de strass comme ceci, tout du long pour bien finir la déco des deux côtés. Et puis, avec le ruban, je vais arrondir ici les deux anses, vous voyez, pour avoir un joli arrondi, passer mon ruban et venir faire un joli nœud tout autour qui va plutôt être posé sur le côté. Donc j'arrondis, je tire. Le fait d'avoir mis trois découpes de chaque côté rigidifie la anse et de ce fait, elle n'est pas fragile du tout. Ça, c'est chouette. Donc, elle ne va pas s'abîmer quand on enlèvera et qu'on remettra le nœud pour ouvrir le panier. Je vais biseauter, brûler les bords avec un briquet pour que ça ne s'effiloche pas. Et puis, si on le souhaite et que vous avez des tags ou des petites étiquettes, alors par exemple, moi j'ai ici ce tag, on peut y mettre un sentiment dessus et venir l'ajouter ici sur la anse pour que ça redescende. Et puis, ce panier eh bien, est terminé, mais il me reste à venir ajouter les fleurs. Alors, je ne sais pas trop encore ce que je vais poser comme fleurs. Là, ce sont les Wild Rose, les petites Oakberry Lane. C'est très sympa aussi. Je peux aussi faire un mélange de fleurs. Donc, je prépare les fleurs et je vais vous montrer comment je les dispose. Alors, j'ai finalement choisi ma très jolie fleur de dahlia que nous avions fait il n'y a pas très longtemps dans un tuto. Et puis j'ai sorti donc les fleurs de dahlia. Vous voyez, elles sont là à l'arrière de la grosse fleur. Mais je vais aussi ajouter des feuilles qui font partie du set Leafy Accent pour donner une touche avec un petit peu des arabesques. Et donc pour je dispose à peu près mes fleurs pour avoir une idée de ce que je vais y ajouter. Donc j'ai cassé un petit peu avec le parme, mais je peux très bien tout mettre en rose. Et donc une fois que je sais à peu près ce que je vais faire, je dispose mes feuilles. Donc je vais en prendre deux comme ceci. Je vais les mettre ici sur ce côté. Je vais en prendre une autre qui va venir se positionner plus sur le haut. Et puis la feuille de dahlia va venir ici dessus. Une autre un petit peu plus haut, vous voyez, je vais coller à peu près comme ça. La fleur va venir se positionner ici, la grosse fleur, et puis après, je vais ajouter avec mes plus petites fleurs. Donc, je vais coller tout ça, et puis je vous montre le résultat. J'ai finalement décidé de rester dans les tons de rose. Donc, voici l'arrangement que j'ai fait. Je passe pas mal de temps à coller, mes fleurs et feuilles. Pourquoi? Parce que je sais plein de choses et puis jusqu'à avoir l'arrangement qui me convient. Donc là, pour moi, c'est bon. Voici ce joli petit panier terminé. Donc, il me reste à poser mes strass. On voit encore bien l'arrière. J'aime beaucoup, beaucoup avec le cardstock argenté. J'espère que ce tuto vous plaira aussi, vous donnera envie de réaliser un petit panier comme celui-ci. C'était la dernière réalisation de cette année 2020. Je vous souhaite un très, très beau réveillon et je vous retrouve très très vite en 2021. Ciao ciao!